Cette volonté de les accompagner aller plus vite dans le temps que nous voulons entreprendre au profit de notre entreprise. Donc toute notre gratitude et nos sincères remerciements pour votre présence. Alors, pour la petite histoire, ces bâtiments nous ont été attribués en fin 2015, avant même que la caisse devienne opérationnelle par arrêté ministériel. C'était un bâtiment qui, à l'époque, était dans le domaine privé, donc définitif. Et ça nous a, nous on est devenu opérationnel donc en 2017, notre équipe a été désignée en fin 2016. 2017 à 2019, 3 ans, on s'est battu pour obtenir les dégarissements de l'équipement qu'il avait ici. Depuis de l'application. Tout à fait. Pour les affiliés, c'est à recevoir.
C'est un peu ça, c'est l'administration congolaise. Comme si ça peut changer. C'est super. Comme vous l'avez remarqué, les travaux ne sont pas encore achevés, ce n'est qu'un chantier. Mon premier propos, c'est de remercier l'autorité pour sa visite de ce jour qui vient nous révigorer et nous remobiliser à la tâche. Parce que son Excellence nous l'avait rappelé il y a quelques jours, de sa volonté d'aller plus vite dans la réforme, parce que les choses à faire sont nombreuses et qu'il était urgent de commencer par achever avant d'entamer les prochaines étapes. Donc c'est un honneur et nous voulons vous témoigner notre sincère gratitude. Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, ces bâtiments ont été attribués à la CENSAP fin 2015 par les ministères de l'urbanisme qui l'a transféré vers le domaine public. C'était avant un bâtiment du domaine qui était dans le domaine privé de l'État. Les travaux n'ont pu démarrer qu'en février 2021 pour de nombreuses raisons, notamment le processus de déguerpissement des occupants qui avait sur les sites, mais également le processus de sélection de la firme qui exécute les travaux de rénovation. Donc depuis février, ça fait déjà 2 mois et demi que les travaux ont démarré et selon le clause contractuel, les travaux vont s'achever en juillet, le 21 juillet. C'était initialement un bâtiment de 6 appartements, donc 2 appartements par étage. Au finish, ce sera 31 bureaux qui vont accueillir les services centraux de la CENSAP. Et au rez-de-chaussée, comme je l'ai expliqué, ce sera un centre d'accueil pour le contact avec les clients qui sont les agents publics de l'État. Je suis venu m'enquérir de l'état d'avancement de travaux de construction de ces bâtiments qui va abriter, comme vous le savez, dans le prochain mois, prochaine semaine peut-être, on verra, le siège administratif de la CENSAP, la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. Ainsi que vous le savez, le gouvernement que dirige le Premier ministre Samalou Kondé est déterminé à faire améliorer sensiblement le régime de la retraite dans notre pays. C'est le souhait du président de la République lui-même. Et je m'en réjouis de voir que les dispositions qui ont été prises dans le cadre de la construction donc, de ces bâtiments sont telles que la qualité d'accueil sera au rendez-vous. Nous devons mettre fin à ce système qui consiste à voir des usagers, des citoyens, des retraités, des fonctionnaires sous les arbres en attendant d'être reçus. Et là, j'ai vu avec les équipes techniques, les architectes, que toutes les dispositions sont prises pour qu'il y ait une amélioration nette de la qualité d'accueil. Et c'est une bonne chose. Voilà. Donc, nous reviendrons dans un mois pour une deuxième évaluation avant l'inauguration qui interviendra, je l'espère en tout cas, en début juillet ou mi-juillet. Ah, c'est ça vraiment l'espoir que je porte. Parce que nous voulons aller vite avec les réformes. Et dans tout ce que nous allons mener comme réforme, la CENSAP aura à jouer un rôle central. Thank you.